Est-ce que vous connaissez les chaînes genre de combat, vous savez, de self-défense et tout? Vous voyez du genre de chaîne que je veux parler? Excusez-moi, j'ai posé mon gros menton sur le micro. Krav Maga, par exemple, tout à fait, le fit. Dans ces vidéos-là, il y a toujours un cobaye, tu vois, un cobaye qui mange. Il faut bien un cobaye pour que le mec explique ses tours de passe-passe, tu vois ce que je veux dire? Je vous donne un petit exemple, les mecs. On est ici sur la chaîne Commando Fitness Club. Donc lui, c'est le professeur, tu vois, et lui, c'est l'élève. Mais non, mais regardez, les mecs, regardez. Regardez les calottes qui se prend l'élève, tu vois? Non, mais... C'est qu'un entraînement, mon gars. Détends-toi, tu vois ce que je veux dire ou quoi? L'autre, il part sur un entraînement, mais il se prend des calottes de l'espace. Même moi, gros, ça m'a fait des frissons dans le dos, quoi, tu vois? Il a pas fait semblant. Et le pire, c'est que j'ai envie d'analyser ça avec vous. Non, vraiment, lui, déjà, tu le vois qu'il a un regard vénère, tu vois? Lui, il sait qu'il va s'en manger une. Voilà, là, premier coup, il dit, attends, c'est à moi qui fais ça, frérot, là? Déjà, première baffe, il dit, hé, doucement, frérot, quand même, hein. Hé. Et il fait regarder les calottes, quoi. Les baffes de daron qu'il a mis. Alors que c'est un élève. C'est pour la prestation, tu vois ce que je veux dire? Analysez le gars à droite. La première, il dit, attends, tu as été un peu fort, frérot, là, quand même. Il a dit qu'il a été un peu fort, quand même, la première, mon frérot, doucement. La calotte de ses morts. La calotte de ses morts, j'y suis. Regardez, regardez comment je vais le démonter. J'ai la première calotte, mon gars. Non mais c'est dingue parce qu'attendez, on va quand même analyser ça ensemble. Son élève il tape par terre, tu vois, quand tu tapes par terre ça veut dire c'est bon, arrête, j'en peux plus gros, je me rends. Son élève il tape par terre mais il continue à le tataner avec des coups de savate au sol. Regardez, il tape par terre là. Et il se prend encore de calottes dans le crâne. Il le finit, il est mort le mec. Regardez quoi. Là c'est bon, il en peut plus. Il se prend encore deux coups de tibia dans les dents, mon gars. Regardez comment je vais péter le bras à mon élève. Comme ça. Oh, il est pas bien. Là, il a dit qu'il a été fort, mon frérot, quand même. Oh. Oh, la vengeance, mon gars. Regardez. Regardez quand même, tu vois. Là, c'est l'élève qui a mis une claque au professeur. Regardez, on voit que quand même... Qu'il est méchant. Il a dit... Là, il l'a regardé, il a dit, attends, tu as été fort quand même, mon gars, tu vas voir, toi, tu vas manger sévère. Voilà, on va se mettre la suite, voilà. Même lui, il le sait qu'il a été fort à droite, il le sait, il a été un peu fort, tu vois. Un tuto pour kidnapper un enfant. Donc là c'est un tuto comment kidnapper un enfant, voilà. Kidnapper 4... दुनिया में हर साल इसी तरह से हजारों बच्चों की किडनैपिंग होती है और उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर या तो बेच दिया जाता है या फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है तो इसीलिए आज का हमारा वीडियो. Alors là vous avez l'impression ils nous engueulent les mecs, mais ça se trouve il dit juste salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tu vois, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression je me fais agresser. J'ai l'impression qu'il veut me claquer, quoi, tu vois. Mais ça se trouve, il dit juste « Bonjour à tous, je suis super gentil, bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo. » Ça se trouve, les Russes, et que je leur dis « Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. » Peut-être qu'ils ont l'impression que je les agresse, hein, tu vois. « Agar aapko kahin par koi bhi kidnappers, is tarah se, piche se pakad leta hai, aur yahan par aapko, pas bien, le gamin, là. Is tarah se utha karke leke jata hai, to yahan par, jaise wo aapko upar ki taraf utha ke upar aap is tarah se... » Il va le tuer. Il va tuer le gamin, les mecs. Là, je traduis un peu les mecs parce que je parle russe un peu. Il est en train de nous dire que c'est pas la bonne méthode. Cette fois-ci, je vais vraiment vous montrer comment kidnapper un enfant. Vous lui mettez la main devant la bouche, vous coupez sa respiration, vous le prenez au niveau de l'abdomen et vous l'emmenez comme ça. Vous l'emmenez chez vous. Et c'est bon, vous avez kidnappé un enfant. Ensuite, vous courez avec. Mais il est pas bien, le gamin, là. Lâche-le, mon Jean-Jean, lâche-le. Et hop, au congélateur. Et vous en aurez un bout pour Noël. Donc voilà, maintenant vous savez comment kidnapper un enfant. Comment il s'appelle le français là le français, les mecs là, merde. Frank Roper, bienvenue les mecs, Depardieu, oui. Oui aussi, oui, pourquoi pas, oui. Ouais, lui il en met dans la gueule aussi, hein. Ouais, alors c'est quoi, tu te prends pour qui là? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Les mecs, on aurait dit une scène dans le jour où tout a basculé. Oh là là, ah ouais, quand même, ouais. Je veux dire, tu vois, chez les commandos, chez les Russes, l'autre il se prend quand même des vrais gifles, tu vois ce que je veux dire? Il se prend des vrais gifles de bonhomme, les mecs. On va faire un truc simple, les mecs. Un truc très simple. On a la scène du jour où tout a basculé. Là, on a une vraie démonstration. Gros, là, ça, c'est une vraie démonstration. Mais regarde la calotte qui se prend, quoi. Mais gros. Arrête, franchement, putain. Moi, je veux pas être son élève, mon gars. Non, mais. On est...
pas sur les mêmes calottes. Tiens, là, c'est gentil. Voilà, il l'a pas touché, tu vois, voilà. Il est bon, Frank Roper. Frank Roper, j'aime bien, vraiment. J'adore pour ses techniques et tout, tu vois, mais pour le talent d'acteur, on repassera. C'est un peu plus réaliste de l'autre côté, tu vois. Ça doit être chaud sur sa joue gauche. Mais ça nous fait avec Ibra TV, il me semble, il le touche vraiment. Genre, Ibra, il est en train de mâcher un chewing-gum et tout, machin. Irrespect, irrespectueux, quoi. Genre, tu sais, ça veut dire, allez, vas-y, je t'attends, mon gars, je t'attends, vas-y, viens. Regarde, il se fait manier, le Ibra, là, hein. Il fait moins le malin, là. Là, il fait moins le malin, là. Il se fait manier. Je suis désolé, moi j'adore Frank Roper, j'aime bien Ibra TV, mais là clairement, va faire une démonstration contre lui, Ibra TV, après tu reviens. Va faire une démo contre lui. Je crois que celle-là, mon vieux, je vais la mettre en intro de mes vidéos, celle-là. Gros. Là on est sur Danse avec les Stars là. On est sur Danse avec les Stars clairement. Non, pas envie d'imaginer parce que là je vous promets je joue pas, j'ai vraiment mal. Non gros, non. Hé hey, Ibra, t'as pas mal, arrête tes conneries, t'as pas mal. Lui il a mal, lui il encaisse. Toi t'as pas mal Ibra, lui il encaisse. Et gros attends, c'est une vraie gifle quand même ou il y a un bruitage rajouté au montage? Moi je pense que c'est une vraie gifle là. Non Ibra, tu peux pas dire que t'as mal. C'est irrespectueux pour le la raison à travers mon âme. On sent qu'il s'est vengé. On sent qu'il s'est vengé de toutes ces années où il a subi. Regarde, on sent la vengeance. Déjà dès le début de la vidéo, regarde. Regardez bien sa tête, tu vois. On sent qu'il dit dans sa tête, toi tu vas en manger une mon gars. Toi tu vas en manger une. Et là, hop, là il regrette. Vraiment, je veux qu'on débunk cette vidéo. Je veux qu'on la débunk ensemble. Il sait qu'il a été fort. Et lui, il dit, oh là toi, mon frérot, mon gars. Il dit, toi, tu as été vachement fort pour celle-là. T'aurais peut-être dû taper un peu moins fort, tu vois. Regardez déjà la réaction de celui de droite. Tu vas manger, mon gars. Tac, premier geste, il regrette. Premier geste, il regrette déjà. Lui, déjà, ça y a requinqué les idées. Ça y a mis les idées au clair, tu vois. Ça a résonné un peu. Et là, regardez. Il reprend, et là, il prend son regard vénère, les mecs. Mais regardez le regard énervé qu'il a. Il dit, toi, mon pote, tu vas manger. Toi, tu vas manger. Et là, regarde, lui, il a voulu me gifler. Regardez ce petit regard qu'on débunk ensemble quand il tourne la tête. Lui, il a voulu me gifler. Tu vas voir, mon gars. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, les mecs. Voilà. Première session et vengeance. Première session, vengeance. Première session vengeance. C'est normal. Là, on voit par exemple qu'on est sur une vidéo du 1er juin 2021. Et celle-là, 18 août 2021. Donc c'est bien le prof qui s'est vengé, mon gars. Et voyez que d'où l'importance de débunker des vidéos comme ça. Je veux dire, là, on est quand même sur une violence équivalente, mon gars. C'est bien le prof qui s'est vengé. Voilà, 1er juin 2021, ça part comme ça. Paf! Toi, tu vas regretter, frérot. 18 août 2021. 18 août 2021, vengeance, mon gars. Vengeance. Il avait dit qu'il allait manger. Autre masterclass, c'était laquelle? C'est intéressant. 10 juin 2021. 1er juin 2021. D'accord, donc l'histoire a débuté un 1er juin 2021, les mecs. Retraçons l'histoire dans l'ordre. Voilà. Salut. Clac. L'élève sait qu'il a fait une erreur. Il le sait. Ok, lui, il arrête. Il dit, toi, tu vas voir, dans les prochaines vidéos, tu vas manger, mon gars. Ensuite, 10 juin 2021. 9 jours après, les mecs. 9 jours après. Il le regarde, là. Il dit, tu te souviens de moi, mon gars? À mon tour. Ah, crac. Première gifle, mon gars. Tournage de poignet. Eh, c'est bon, arrête, arrête. C'est pas fini, mon gars. C'est pas fini. Voilà. Il tape par terre, mais il continue. Là, voilà. Là, on est sur, on est sur 9 jours après. 9 jours après. Il l'a quand même niqué au sol, mon gars. Ensuite, ouais, je pense que tu vois, avec cette vidéo, du coup, on était plus sur une vengeance sur le 18 août. On était très certainement sur un rappel. Le prof, il a dû avoir un flash, tu vois, et il a fait merde, attends, c'est vrai que je me souviens, il m'avait mis une gifle de daron et tout. On est plus sur quelqu'un qui veut prendre le dessus. C'est plus une vengeance. On est sur, voilà, une prise au-dessus. Voilà. Je vais te montrer qui c'est le chef. Voilà. C'est moi le chef, mon gars. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Voilà, trois fois. Trois fois, s'il a pas compris. Trois fois. Là, ça. Voilà. Ouais, quand même, elle est violente. Donc là, au final, je viens de retracer l'histoire. On vient de débugger une chaîne. Et je viens de comprendre. Et au final, je viens un petit peu de comprendre toutes ces chaînes de self-défense et tout. Tu vois, c'est voilà, c'est important quand même de débunker ça ensemble, je trouve.
À ce stade-là, c'est une branlée. À ce stade-là, c'est une branlée, c'est plus une démonstration. Je suis désolé. Franck Ibra. Je vous aime bien. Yes. Okay, mais... Dans le trou, okay. Et plus tu es relâché, faites plus pas le poids. C'est... Vous vous retenez un peu trop dans votre vidéo. J'aurais bien voulu voir, par exemple, Franck donner des vrais gifles à Ibra comme dans l'autre vidéo. Du coup, tu fais un feat avec Franck parce que ça te dérange pas. Mais gros, tu me donnes le choix. Luffy, tu me dis soit tu fais un feat avec lui. Soit tu fais un feat avec lui. Gros, tu choisis quoi, Luffy? Tu choisis quoi? Je veux dire, il n'y a pas photo. Je préfère même me prendre les deux, là. Les deux, je me les prends. Moi, je prends pas le russe. C'est mort. Je préfère me battre contre Franck et Ibra en même temps. Plutôt que de prendre la calotte de ses morts, mon vieux. La calotte de vos morts.